J'étais du citoyen de la terrasse, plutôt le collégial de l'ensemble de la famille de la GSK, la direction, le staff technique, ainsi que les joueurs sont informés. On s'est réunis tous ensemble et nous avons pris la décision collégiale, collective, de ne pas jouer demain mardi à 17h45 à Romain-Fimadine, face au Richard Bridge. Bon, c'est bon, vous avez pris la décision au collège. Mais si c'est on a suivi tout le monde, si c'est la pression des arbitres, l'instance footballistique, surtout la hauteur des arbitres qui est collé ça. Maintenant, si vous me demandez ça, je crois que il est nécessaire de rappeler que les arbitres doivent être honnêtes. Nous, à la direction de la GSK, nous faisons confiance à l'arbitrage, à la commission d'arbitrage, aux arbitres. Nous faisons confiance. L'essentiel, c'est qu'ils soient corrects, qu'ils respectent la GSK, qu'ils respectent tous les clubs algériens, qu'ils fassent leur record le plus normalement du monde, si ils sont corrects, s'ils sont dans leur droit d'arbitrer ou de gérer un match comme ils se voient, la GSK n'a pas peur, la GSK a les moyens avec son effectif de faire front ou d'affronter n'importe quel équipe. Est-ce que c'est vrai, ce matin, il s'est le président de la FAF? Non, c'est moi-même qui suis rendu à la fédération.